Nous allons commencer cette cérémonie par la lecture de la prière pour la République française, c'est une tradition. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul tout s'élève et tout s'affermit, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein de nations. Amen. C'est pour moi une grande joie de voir réunis ici à la synagogue nos nombreux amis ainsi que les représentants des autres cultes. Je suis fier du soutien des membres de notre communauté qui sont venus pour cette fête de Rosh Hashanah et je suis heureux de vous compter parmi nous. En cette fête de Rosh Hashanah et pour la première fois en tant que nouveau président, je m'adresse à vous, fidèles membres et amis, pour vous adresser de tout cœur une douce année 5775. Le début des fêtes est pour nous juifs une période d'intense recueillement. Le premier jour de l'année n'est pas dans le judaïsme ce que les peuples de la terre en ont fait. Il nous demande d'examiner ce passé afin de vivre. Il est le jour de la justice, mais aussi logiquement le jour du souvenir. Regardez et informez-vous des sentiers d'autrefois, afin d'en saisir la sagesse et la valeur. Permettez-moi alors de citer Martin Luther King, « I have a dream, j'ai fait un rêve. » Ce rêve où il n'y aurait plus de policiers devant le lieu de culte. En ce jour de Rosh Hashanah, où le Dieu de nos pères pèse nos destinées, qu'il vous accorde le bienfait d'une heureuse année, que vos désirs soient exaucés, qu'il vous aide dans vos efforts pour mériter devant lui en tant qu'homme, en tant que juif, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous soit favorable. Que le Seigneur vous donne bonheur, paix et prospérité. Amen. Demain matin, le point culminant de l'office sera lorsque, dans les environs de 11h30 du matin, après la lecture du Sefer Torah, après avoir lu de très nombreux psaumes, alors on verra le rabbin prendre une corne de bélier. Et au lieu de faire un sermon, au lieu de s'exprimer avec des mots, il va, au nom de la communauté, tout simplement sonner dans cette corne de bélier. Shana, qui veut dire répéter, a en fait un autre sens en hébreu qui vient du mot shinouï, qui veut dire changement, nouveau. Ces dernières semaines, ces derniers mois, nous venons d'accueillir un nouveau conseil d'administration, d'apporter un renouveau dans la communauté. C'est un défi, parce que nous avons le devoir de répéter, d'insister et de se renouveler. Souhaitons, en cette année 5775, année sabbatique, nos agriculteurs, particulièrement sur la terre d'Israël, nous puissions avoir tous, non seulement comme nous l'avons entendu dans le texte du ministre, de la bouche du président, une année pleine de douceur, mais surtout une année dans laquelle nous prendrons plaisir d'innover, d'apporter, de tendre la main à l'autre et de construire ensemble.